Nous avons été d'abord à Saint-Aubin, qui est une église d'une architecture particulière, avec quelque chose que je pense la plupart des Toulousains ne connaissent pas, une crypte de 2500 m2, et donc beaucoup de potentialités. Donc la question se pose de savoir si on peut valoriser tout ça. Alors bon, c'est une vaste question, on va l'étudier. Nous sommes allés également sur la place du Puy. Une école, l'école Sarah, est implantée sur la place du Puy. Et donc je suis allé avec mes collègues me rendre compte de l'avancement du chantier qui est maintenant terminé. Ensuite, nous avons été à Léo Lagrange où il y a un complexe sportif très considérable. C'est vrai que nous voulons mettre en valeur le centre historique. Le centre historique, il appartient véritablement à tous les Toulousains. Mais il faut que derrière, les choses soient gérées. Il ne suffit pas d'embellir la ville, il faut ensuite assurer la propreté, la sécurité, la lutte contre les nuisances. Bref, beaucoup de questions que l'on croise aujourd'hui à travers cette journée de rencontres et de dialogue sur le terrain. Ce que la venue de Monsieur le maire m'apporte sur le quartier, c'est, j'allais dire, premièrement, une reconnaissance de mon rôle de maire de quartier par rapport aux riverains et enfin de faire avancer les projets sur le quartier.